de la mer se valer, plus de la mer se voter. Situé dans le sud-est Maurice, Maïbou and Village, riche en couleurs, saveurs et histoires. Plus de la mer se voter. C'est la mer et que ce man habitant sympathique attire beaucoup de touristes et de visiteurs. Pour Village Pêcheur, la mer est une source revenue pour beaucoup. Dans Maïbou, nous avons de bons poissons. Par exemple, poisson frit ou un bon bouillon poisson, comme longtemps nos grands-mamans t'y peuvent préparer. Premier rayon soleil, tape l'audino, papa lève son cagé. Mon pia si c'est loin, beau du sap, mon besoin qu'un coquillage. Mon fils m'écoute nos oreilles, moi m'écoute la mère raconter. Disons-tu, l'écosystème en est malade. C'est pas un modèle qui sont fins et dentilleux. Pour ma oulier, l'y pas polier, l'y paie à tirer plein son côté. Et puis briller comme un nuitier coulé à l'argent. Disons-tu, l'écosystème en est malade. C'est pas un modèle qui sont fins et dentilleux. Un satini poum d'amour bien faux accompagne bien un merveille cram cram. C'est un gâteau qui nous encore apprécié, c'est toujours la fois au bord la mer. En plus, l'est facile pour préparer sa délice là, nous besoin de l'eau, la farine, du sel et de l'huile. Plus de la mer se valer, plus que tu m'arrêtes entre 15 de sourire. Plus de la mer se valer, plus de la mer se côté. Plus de la mer se valer, plus que tu baisses entre 15 de sourire. Plus de la mer se valer, plus de la mer se côté. Plus de la mer se valer, plus que tu m'arrêtes entre 15 de sourire. Régate, un événement populaire et une passion pour ban amoureux de la mer et aussi ban habitants de la région. Ban la voile coulée en conciel et sur la mer bleu turquoise li égaye de la journée. De la mer se voter, plus de la mer se valer, plus tu baisses sur tes gains de sourire, plus de la mer se valer, plus de la mer se voter, plus de la mer se valer, plus tu m'arrêtes sur tes gains de sourire. Et pour faire nous parler content, un bon petit confit et salade. Après le confinement, tout le monde dans une situation un peu difficile. Je décide de faire un petit business. Mais là, je lance moi dans la banane. J'ai un petit peu banane que je planté, je compensé. Mais là, le confinement vient après. La suite du confinement vient, je mets un petit légume, un petit fruit. Je peux améliorer le business là, petit à petit. Au fait, on se place dans Maurice, que tu allais partout, tu trouves. Et normalement, sans confit, et pour tout côté, normalement, sans confit, et non, du monde qui vient acheter. J'ai tout essayé, non, mon sang gâteau là-bas, quand j'ai fini mon dé, j'ai un petit confit, mais un peu pour tout. Mais il y a une demande, tout ça. Confit dans plusieurs variétés. Comme ici, moi, j'ai une dizaine de variétés. Du monde y a apprécié quand il est venu, s'il trouve dispo là, il reprend un dans chaque pot. En fait, moi étant donné, je me fais commencer, je vais encore expérience moi là, je vais faire une nouveauté, nouveauté. Et normalement, on a fait qui me trouver les autres places, je vais essayer de faire des ma carotte, chouchou. Ouais, là, je pense pour me demander les autres encore, je vais encore quelques kilos là. Mais du coup, l'apprécier, c'est l'apprécier qu'on fait. Loin, nous pouvons amener
Côte Caraïbe, Morio, dans Beauvalon. Moi, je fais toute ma carrière dans l'hôtellerie. Et après mon retraite, je décide pour continuer. Partage à l'expérience qui m'a été là. Et je fais le choix de faire un restaurant typique créole parce que c'est la cuisine qui malheureusement nous peut perdre. Les temps faire que les gens ne gagnent pas le temps pour qu'ils mangent comme longtemps nous cuit. Retrouve sa saveur qui nous grand-mère. Longtemps nous avons la côte grand-mère. Première affaire, nous allons rentrer. Grand-mère qui t'en cuit parce que nous gagnons sa bon l'odeur là. Et malheureusement, de nos jours, l'évolution veut que tout le monde travaille depuis qu'il gagne le temps. Pour prendre l'exemple, il y a beaucoup de monde par contre nettoyer un sac pour faire un carré. Mais moi, je voulais justement faire retrouver sa bonne saveur là pour que Mauricien ne nous pas perdu. Parce que si nous ne pas faire attention, c'est un patrimoine qui nous peut perdre. Il est difficile de faire ça bon retour sur un savoir là parce que tout quelque chose évolue. Ok? Même l'ingrédient qui nous gagne aujourd'hui n'est plus le même goût qu'il y a longtemps. Mais nous, l'idée justement de ce restaurant, c'est faire retrouver les saveurs d'antan. Comment nous sommes contents. Comment tous les dimanches nous sommes à côté de grand-mère pour nous manger un carré grand-mère. Donc c'est pour ça qu'ici, vous faites par exemple un carré Jacques. Et boucané, nous faire un curry brinjel avec un crabe, nous faire bouillon poisson avec bread mouroum, ou soit avec l'alo, ou encore avec morgoz. Et tout le monde mange, bien souvent, justement, et dans le monde, la majorité des jeunes ne connaît pas comment faire. Pour nous, c'est important goût dans la bouche. Moi, longtemps, mon plaisir, c'était quand on rentre notre grand-mère ou sa maman. Je me sentis un lait à carré pour les crevettes. De ça, comment on rentre dans la poudre. Comme dit ça, c'est là où on est né dressé. Parce qu'il rappelle où. Tout de suite, vous savez, il y a une affaire qui est associée avec mémoire. Il rappelle où longtemps, où tu gagnes sa lait là, où tu gagnes sa parfum là. Et donc, il tient si tout pour manger. Ou tu es content quand on perd pour rentrer la case. Maman cuit le plat, il cuit un bon bouillon poisson, un poisson frais bien sûr, ok. Ou il cuit un plot, une affaire qui. Disons, depuis tant de même. Ce qu'ils vont faire, d'abord, ils vont faire une recherche pour regagner sa bonne recette longtemps. Et Real Road, sa bonne épice là. Faire son mélange et faire ce dosage qu'il faut. Parce que c'est ça qui est bien important. Nous, une grand-mère, c'est ça qui te fait toute la force. Quand je te cuis, c'est ça mon mélange, mon épices qui je te fais, qui te fait, qui je te carie, tout le monde te dit, maribon. C'était en la cuisine au feeling. Longtemps, ce qui est important. Maintenant, quand nous disons recette, c'était. Poule, du sel, du poivre, ça. Mais pas de dosage, pas de rien. C'était en la cuisine qui t'y sortit depuis en dedans du monde là. C'était au feeling. OK? Pas de il s'est écrit longtemps. Il vient bien après. Surtout la cuisine locale, je voulais dire. OK? C'était grand-mère qui t'y décidait. Ben, il met un chicken, ça, à mesure, puis cuit. Il rajoute un petit affaire pour lui connaître, pour lui donner le goût qu'il y a envie. Et qui fait à nous apprécier, au fait, derrière. Si vous êtes au Mireille Caramario, il y a un tagline. Il écrit souvenir mijoté. Ce qui, derrière, justement, nous l'est faire ça la cuisine mijotée, comme à longtemps tu fais. Prendre le temps pour cuire. Pour faire une carissière, par exemple, nous avons marine ligne, nous avons marine ligne 24 heures pour tirer sur le dia sauvage avant Cuili. Et Cuili, l'eau un petit diffé mijoté à feu doux pendant 5-6 heures parfois pour donner
tout ce saveur qui est bizarre. Tout le concept de ce restaurant, c'est cette cuisine mijotée qui prend le temps, qui justement, vous savez, au plus bonheur, du monde n'est plus gagné le temps. Saveur, première affaire qu'il y fait, il développe nos papilles. Et aujourd'hui, si nous pas fait attention, nous perdons. Parce qu'il beaucoup mangé, comme dit Sarkozy-là, et il a ce qu'on appelle un goût insipide. Oh, les épices, ils permettent nous réveiller nos papilles. Et moi, je trouve ici, avec mes enfants, je mangeais, je dis à maman, mais pourquoi tu ne peux pas faire ça, toi? Je viens de dire que comme moi, je démarre dans l'hôtellerie. Dans l'hôtel, il y a très peu de cuisine locale. Parce que c'était le choix un peu des hôtels. Tu viens donner aux touristes là manger auquel il est habitué. Mais avec le temps, effectivement, il y a un changement de paradigme quand il commence à faire la cuisine locale. Plus se culture, nous gars et il propose ban étranger un autre visage, je viens de dire, du pays. Parce que les touristes là, bien souvent, ils viennent, ils passent ce séjour dans l'hôtel, ils partent comme rien à part ce shopping. Et c'est arrivé surtout vers les années 80, quand ils commencent à mettre l'emphase la culture mauricienne, l'or culinaire mauricien, parce qu'il y en a derrière, il y en a tout un or derrière. Et aujourd'hui, de plus en plus, ben, touristes, je devine gros de ça. Parce que ce qu'ils ont offert dans l'hôtel, je devine gagner contre eux. Mais sa saveur locale là, fait des étals dans un restaurant traditionnel, authentique, vous trouverez tout ça. Saban plat qui m'ont mettait là, me trouve déjà au niveau local, au niveau mauricien, du monde rodé. Mon avant client régulier qui venait, j'ai maman Mario, vous pouvez venir tel jour, avait fait telle affaire pour nous, prépare ça pour nous, parce que je te les retrouve, ça va là. Et c'est quelque part qui, par rapport à cette première venue ici, je suis content de te revenir. Bon, pas comme la pâtisserie, vraiment, mais par contre, on dit, on va faire un flan caramel comme ma grand-mère t'y fait. On va faire gâteau coco, comme a longtemps t'y fait. On va faire aussi un peu nougat glacé. Sinon, on va faire un mélange, la glace avec soit banane, soit ananas caramélisé, chaud et froid. Mais on ne va pas faire beaucoup de dessert. Et Pena, si on regarde bien, dans la cuisine locale, nous Pena malheureusement beaucoup de plats sucrés. Mon souhait, moi, c'est que c'est la cuisine qui m'a fait là. De plus en plus, du monde fait aller. Parce que pour nous, ça, c'est la force qui nous a ça, la cuisine là. J'espère que du monde d'abord apprécie lui et faire lui connu mieux ici et même ailleurs. Il y a une raison pour que du monde à l'étranger pas apprécié. Si je devine Maurice, je t'apprécie lui. Il y a une raison pour que chez eux aussi, je ne pas apprécié lui. Moi, et ça, c'est bien important qu'il y ait un partage à ce niveau-là pour nous faire connaître la cuisine, parce qu'elle est très riche, cette cuisine locale. Elle est extrêmement riche. Et puis, effectivement, ce qui est bien, ce qui est important, c'est qu'il démontre l'identité de ce peuple mauricien avec cette cuisine mélangée, métissée, au fait. Parce qu'il y a l'influence
de tout bon pays dedans. Aujourd'hui, beaucoup de plaisir, partage un petit peu ça l'expérience qui me préfère. C'est montrer tout un caripoule comment longtemps nous y faire. Là, je vais montrer tout un autre caripoule américain. Je vais aussi mon oignon, mon caripoulé, mon du poivre avec mon d'huile. Je vais finir des amarines, mon poule. Dommage que je n'ai pas pu gagner ça pour faire des épices là, parce que la cause de la caméra. Pour un bon carré, bien bien roussillé. Là, je vais montrer où mon poule qui est mariné une heure et demie à deux heures. De mon poule, je vais mettre masala, je vais mettre cannelle girofle, je vais mettre l'ail et du poivre. Après, je vais mettre mon poule. De mes épices qui m'ont des ans fini roussi. Bon, laissez pousser pendant 5 à 10 minutes. Entre temps, je vais préparer des épices mélanges et non persil, cotonili, l'ail, sésame, oignon. Et puis ça, pomme d'amour à fort. Ça, un carré poule qui me fait faire, mais plusieurs carrés qui nous fait, carré poisson, duc de poisson, et différentes épices, différentes qualités. Et toujours la plame richaine. Là, je vais rousser, je vais tourner, toujours des petits cailloux. Les pourriser aussi un petit peu. Vous avez tous les différents partout ensemble. Vous avez un poème pour les capables aussi bien. Nous poulons bien aussi. Assez nous pour ensuite nous. Là, c'est ensemble, nous, ben, les épices qui nous préparer, nous cotonnier. Oui. Nous mettons du sel, nous laissons mijoter encore pendant 10 minutes. Nous laissons cuire, après nous pour ensuite ce pomme d'amour. Ensuite, nous vous montrons les un merveille qui longtemps, ben nani, ben dadi, ben grand-mère, tu montres nous. Tu as fait les grands, ici nous servir comme un snack, nous faire les bien petits, avec un satini pomme d'amour. Je vais mettre mes derniers ingrédients de mon carré poule, mon pomme d'amour. Dernier ingrédient, je vais laisser cuire pendant 10 minutes. Il est prêt. Après un bon petit caripoule, nous proposons
un petit confiture fruit dans la cour. Il y en a plusieurs manières pour faire un confiture. Un confiture d'orange, un mauvais matin. On tire d'abord son jus, après son la peau couplée, petit bout, bien fin. Et on met l'y tremper à peu près 2 heures dans un peu de l'eau. L'idée de faire tremper, c'est de tirer l'amertume. Ça veut dire on met un peu de l'eau, 2 heures, disons, ou sans son de l'eau encore une deuxième fois pour tirer son goût amer. Et après, on met l'y cuit. À cause son la peau, il a besoin cuit. Sinon, c'est pas bon. On les a essayés, il reste dur. Parce que le sucre racornit la peau. Donc, il faudrait mettre les bouillis un peu. Pas besoin beaucoup d'eau, hein. Surtout pas beaucoup d'eau. Mettre les bouillis, puis l'étang, il commence mou entre la main écrasée. Là, à ce moment-là, on ajoute son jus, qui donne-lui un petit bouillon. Et après, on met son disic, à peu près la même quantité. Maintenant, nous pas trop moins sucré, vous capable de mettre les moins, mais vous va garder, ou vous en cuit un peu plus, ou vous gardez un peu moins longtemps. Ça, c'est deux choses différentes. Et après, nous mettre les cuits, son disic, avec son jus, tout ça, qui nous appelle au gros bouillé, au gros boulet. Ça veut dire, enfin, cuit gros bouillon. Faut pas mettre les cuits doucement, faites-lui gros bouillon. Et vous connaissez les temps et cuits. Juste avec les yeux, au besoin. Il n'a pas une recette qui dit qui quantité, combien de minutes. Tout ça, c'est la méthode grand-mère. Et les temps où il paraît cuit, pour faire sûr, on prend un petit peu ça, soit on met un lagoutte dans un peu d'eau froide. S'il reste solide, ça veut dire il paraît. S'il mélange avec de l'eau, ça veut dire pas encore cuit. Il y en a son autre manière, vous prenez un peu, vous essayez pas trop brûler, vous mettez dans les doigts, et si vous faites comme ça, et les deux parties, vous faites un petit fil, il paraît. Si ça se mélange, si ça s'ouvre comme ça, c'est pas cuit. Chacun son méthode, mais ça c'est une méthode que moi, je connais. Là, on donne une deuxième méthode plus rapide. Premier, nous pèse nous les fruits, et après, on met même quantité de sucre, blanc si possible, à cause sucre roux, il fait la confiture fermentée. Sont la peau, sont les jus, tout ensemble, juste tire son lagrin de côté, qui va servir plus tard, et vous mettez les cuits, gros bouillon, vitement. Vous besoin de faire sûr, son la peau est cuit. C'est pour ça que je préfère mon méthode traditionnelle, qui tire son côté amertume, et vous perdez sa qualité le jus si vous faites comme ça. Voir, faudrait ou bien sûr, ou finir gratter un peu, ou la pose orange pour tirer sur l'amertume, c'est l'autre manière aussi. Seulement, on n'a pas cette jolie couleur dorée qui orange donnait. Mais, pas besoin. C'est des méthodes. Je crois que chacun, il y en a son méthode traditionnelle pour faire son confiture. Ça, mon dire, manière de faire. Et c'est l'étant sa confiture, il finit pareil, gros boulet, pareil, mon dire, vous mettez les dents pot dessus. Mais faire bien sûr le pot est bien stérilisé. Ça veut dire, on fait mettre les avec de l'eau bouillante, on fait les secs, bien sec, vous mettez au confiture quand même bien chaud, on visse au couvercle et on vire les, la tête en bas. Comme ça, son l'air, il passe en haut pot et au confiture, vous gardez bien longtemps. Et vous pas touche les, pas secouer, pas chacouiller. Vous laissez son pot jusqu'à ce qu'il frais, avant de remettre la droite dans le placard.